Salut à tous, c'est le Gratteur Fou, et là on va se tenter une mission free spin avec le 4x4 sur le jeu Colossal Gems. Alors je vais faire une tentative en montant et baissant les mises, sera bien sûr aléatoire. Alors on va tester avec des mises à 30. Voilà, petit rappel des règles de ce jeu, dès qu'on a un win on passe au 2x2, au 3x3, au 4x4 sur le respin. Si on dépasse le 4x4 c'est... les free spin. C'est vrai que c'est un petit peu rare de dépasser le 4x4, mais ça arrive de temps en temps. Alors, est-ce qu'on arrive à le dépasser? 2x2, ça s'arrête là. Alors, win 200, pas mal pour une mise à 30. 3x3. Est-ce qu'on arrive à dépasser le 4x4? Non, on s'arrête ici. Allez, c'est parti. On va faire une tentative à 105 € le spin pour dépasser le 4x4. Là, je vous avoue, ça va pas être évident de le dépasser. Alors 2x2, 3x3. On va aller au 4x4. Ah non, dommage. Et puis là, avec des spins à 105 balles, c'est le risque de flinguer la balance. Alors, le 4x4, on pouvait le dépasser assez rapidement. Allez, 3x3. Ah, 4x4, est-ce qu'on arrive à le dépasser? Alors, surprise. Eh ouais, dommage, on l'a pas dépassé. Ah, s'il y avait un spin gagnant, ça aurait été direction le bonus free spin. La première fois que j'avais testé ce jeu, j'avais réussi quand même pas mal de fois à dépasser le 4x4, mais pour les parties suivantes, c'est un petit peu plus complexe. Alors, un ici. Alors, 3x3. Alors, rien du tout. Ouais, je sens que ce jeu, avant de dépasser le 4x4, il va bien me ronger la pastille. Enfin, on va voir. Alors, 7709. Alors, hop, 3x3, c'est parti. Réussi, enfin on n'a pas réussi encore une fois à dépasser le 4x4, à lancer le bonus. Alors est-ce que cette fois-ci ça va être la bonne? Ça m'étonnerait. Eh ouais, pas d'illusion. Alors bien tenter les spins à 105, mais là pour le moment c'est good luck pour le casino parce que c'est que de la perte. Alors 3x3. Et bon, on sera pas monté plus haut. La tentative avec les spins à 105 balles, là franchement pour le moment c'est pas top. Alors 115 ici.
va quand même bien arriver à dépasser au moins une fois le 4x4 lors de cette partie. Et là pour le moment c'est plutôt mal barré. Allez, 3x3. On n'a pas moyen de monter plus haut. Win 10, 50, c'est la mise divisée par 10. Alors la balance est dégringole, mais. Alors est-ce que là ça va être la bonne? Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Eh ben non, c'était pas la bonne. À présent, on n'est pas arrivé une seule fois à dépasser le 4x4. Allez, 2x2. Et voilà, c'est perdant. Bon, en fait, il faut 4 spins gagnants consécutifs pour dépasser le 4x4 et envoyer le bonus. Mais comme on peut le constater, c'est plutôt rare. Alors 3x3, est-ce qu'on arrive au 4x4? Ah, joli! Est-ce qu'on va le dépasser maintenant? Telle est la question. Et voilà, que dalle, on n'a pas dépassé. Pas de bonus. Impossible. Pourtant on y arrive au 4x4. Est-ce qu'on va le dépasser? Eh ben quand même, il était temps. Alors feature triggered, c'est parti. Ben, premier round de free spin gagné. Alors, espérons que ça racle, parce que là quand même on s'est fait torcher bien comme il faut. Alors win 129,50. Là il y a de la marge à récupérer. Hein. 3 free games de restante. Alors, vous pouvez balancer du high symbol. Voilà, ça c'est mieux. Alors, dernière free game. Alors, 770 de gagné. Alors, on va refaire la tentative. Ah ouais, d'accord, mise maxi 150, non, c'est plutôt par là que je voulais aller, mise à 75. Alors 3x3. Et voilà, je crois que ça va être encore une tannée avant de dépasser le 4x4. Ça va encore prendre une plombe. Allez, 3x3, hop. Alors, voyons voir, on va s'énerver un petit peu. Allez, 2x2, 3x3. Alors là, si on pouvait dépasser le 4x4 avec les mises à 150. Tout va se jouer sur le prochain spin, voyons voir. Allez, du win. Oh, chiotte de chez chiotte, de dommage. Et ouais, si celui-là, il avait été gagnant.
Alors, hop. Ok, là c'est bon. 4x4. Faut que celui-là il soit gagnant. Faut que le prochain il soit gagnant. J'ai comme l'impression que je vais me faire torcher. Eh ben ouais, torcher. Hop. Comme par hasard. On arrive au 4x4. Mais hop, on a la partie perdante qui nous empêche d'atteindre des free spins. Alors, cette tentative de remonter en mise maxi. Pour le moment c'est pas top. Alors 4x4, là faudrait que ça passe. Oh, il a encore fait l'escroc. Allez 4x4, j'espère qu'il va pas me faire le leurre, que ça va pas passer. Bon là il y a une très forte probabilité pour qu'on ait un leurre. Eh ouais, un gros leurre. Dans le derche. Ah joli. Alors 525, ok. Réussir à dépasser le 4x4, envoyer le bonus round en mise maxi. Et voilà, ça s'arrête ici, comme d'habitude. Allez hop, 3x3. Ok, 4x4. Alors d'après vous, l'heure ou pas l'heure, est-ce que ça passe ou est-ce que ça va pas passer? Et voilà, comme par hasard, c'est pas passé. Mais comme c'est étrange. Alors on va voir cette fois-ci jusqu'où ça monte. Et ouais, pas plus loin que le 2x2. Allez, 3x3. Il nous faut encore deux spins gagnants. Allez go, il nous manque un seul spin. Un seul spin, tout va se jouer sur le prochain. D'accord. On s'est encore fait escroquer. Allez 3x3. 4x4, joli. Espérons qu'on arrive à le dépasser. Eh ben on l'a pas dépassé comme par hasard, ça fait plusieurs fois que ça nous fait le coup. Alors 5564. Alors, 3x3. Et voilà, on n'arrive pas à aller plus loin. Alors, faudrait comment on arrive à en faire passer en mise maxi, parce que là la balance est dégringole. Alors, on va voir. Il n'y a rien de gagnant. Ouais, celui-là, le jeu à chaque fois il me met en stress que j'essaie de dépasser le 4x4. Là, je pense que le programmeur de ce jeu il a bien bossé, il a inventé un jeu où les joueurs de machine à sous s'arrachent les cheveux dessus. Alors, est-ce qu'on va y arriver?
Alors, 3x3. Déjà, est-ce que ça va passer? Ok, non, ça passe pas. Bon, bah, tentative en mise maxi. Là, on voit le résultat sur la balance, c'est pas top. Alors j'aimerais bien au moins rentrer, hein, déplacer le 4x4, mais là ça semble plus... Oh, 9000 balles, alors d'accord, là... Bon ben merci, hein, merci Colossal Wim, parce que là franchement on commence à se faire torcher, mais comme il faut. Ouf, soulagement. Hein. Oh là 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 là. Pff, le truc de taré, le jeu de taré. Enfin. Alors 9000 boules, ça c'est joli. Hop, boum, allez 11 959. Là, il y a du joli win en perspective. Est-ce qu'on va dépasser le 4x4? Ça serait bien. Après ce win à 9000 balles. Allez, déconne pas. On n'y est pas arrivé, mais quand même. 12 294. On avait commencé la partie à 8601. Ben, franchement, le win à 9000 balles. Là, ça nous a évité le triple zéro. Alors je continue, on dira que le gratteur fou il est pas content tant qu'il a pas dépassé son 4x4 en mise maxi. On va quand même faire la tentative de continuer ce jeu. Petit caprice du gratteur fou qui veut dépasser le 4x4 pour les parties bonus en mise maxi. Là on a eu le win miraculeux quand même, heureusement 9000 balles, sinon on était mal, on était plus que mal. Alors 3x3 go. 4x4 ou pas 4x4. 4x4. Free spin ou pas free spin, on va voir. Et hop, pas free spin, d'accord. Bon bah sans cet énorme win à 9000 balles, là on était à 0, ça aurait été vite réglé. Alors mon 4x4, est-ce que je vais arriver à le dépasser? Non, ce sera pas pour cette fois-ci. Là ça fait une plombe de partie qu'on n'a pas réussi à dépasser le 4x4, donc tôt ou tard on va bien arriver à le dépasser, mais la question c'est quand, c'est peut-être dans très longtemps. Alors 4x4, faut que le prochain y soit gagnant. Eh ben non, dommage, pas les mêmes symboles. Alors toujours une balance à 5 chiffres, mais ça va peut-être pas durer très longtemps. Allez, joli, hop. Alors le prochain. Il est gagnant, faut que là le prochain il soit gagnant. On va voir, j'ai l'impression que je vais me faire escroquer. Eh ben ouais, escroquerie. À chaque fois le jeu il fait miroiter le 4x4, mais le spin suivant... à chaque fois perdant. Alors 4x4, chiotte de chez chiotte, est-ce qu'il va le dépasser? Alors on y croit.
Ok, on avait le droit d'y croire. Ça se demandait si on va réussir à le dépasser un jour. Alors, 2 fois 2, ok, rien par la suite. Bon, mais là, franchement, la mission Free Spin avec le Colossal Gem, c'est un truc à se passer la corde au cou. Alors, cette fois-ci, est-ce que ça va être la bonne? Eh non, toujours pas. Alors, j'ai profité du gros win qu'on a eu pour continuer les parties à 150 balles, mais on n'a toujours pas dépassé ce satané 4x4. J'avais commencé à 8600 à la partie, donc là c'est dommage, le joli bénéf il est en train de se barrer. Chasse au free spin qui s'avère plus que difficile. Alors rien. Eh bah ben 8601, balance de départ, là on y arrive. Hop, là on est passé en dessous. Enfin, on va pas se plaindre parce que théoriquement on aurait dû finir à zéro si on n'avait pas eu le gros win à 9000 balles. Donc. Alors, petit espoir, est-ce que ça va être la bonne? Et voilà, là il va nous manquer un spin pour les free games. Est-ce que ça va passer? Par hasard, c'est pas passé. Bon, c'est pas la peine de le mettre en commentaire. Je suis têtu, je le sais. Je reste en mise maxi. Tant que j'ai pas dépassé le 4x4, je reste sur la partie. Ah, ben ça, c'est joli. C'est joli, c'est joli, c'est joli. 6002, ok, cool. Alors, boum, 14349. Le 4x4, il n'a pas dépassé. Bon, tant pis, on aura eu le Bowin à 6002, donc on va pas se plaindre. Alors, remission pour dépasser le 4x4. S'il faut, ça va rebouffer le bénéf que le jeu il a filé ici. Quand même deux énormes big wins, hein. Un à 9000 balles et un à 6000 et quelques. Alors que dalle. Alors ok, hop. Direction le 3x3. Alors 4x4 ou pas 4x4. Oh! Alors 2000 balles, d'accord, cool. Est-ce qu'on va dépasser le 4x4? Où va se jouer ici? Il n'a pas filé les mêmes symboles. Dommage pour le colossal symbole. Eh ouais, 15 000 boules quand même. C'est-à-dire qu'on a failli se retrouver à zéro. Alors, le 4x4, est-ce qu'on va y arriver? Moi, je crois que c'est pas dans l'immédiat.
bah quand même, on va pas se plaindre. Partie miraculeuse, 15 000 boules. Donc on dégringolait vers un triple zéro. Allez, boum, 3x3. What's next? 4x4. Est-ce qu'il va nous faire l'honneur d'envoyer un spin gagnant, cette fois-ci? Eh ben enfin, il était temps. Alors déjà, un big win, bon, après ça, c'est arrêt de partie direct. Là, j'ai perdu les trois quarts de mon cerveau. Alors, 4000 boules et les free games. Boum, 19 000. Là, ça sent le chiffre 2 arriver, éventuellement un chiffre 3 si on est chanceux. Alors, au moins un chiffre 2, 5 free games de restante. Je crois que c'est peut-être pas sûr qu'on y arrive au chiffre 2, mais on sera pas loin. Ah, bah si, ça y est, on y est largement, tranquillou. Waouh, soulagé quand même. Alors là aussi ça a raqué. 1085, dernière free game. Oh bah ben ça va, ça a failli se terminer à zéro, mais non. Alors 6565 sur les 6 free games. 3 respin, d'accord. Bon ben là une pause neuronale s'impose, pause au cerveau, car là franchement... Comme je vous disais, sur cette partie, j'ai perdu au moins les trois quarts de mon cerveau, si c'est pas plus. Hein. Ok, en tout cas, c'est magistral. On avait commencé à 8601, on finit à 21694, malgré le grand risque de terminer sur le triple zéro universel. Bon, bah, en tout cas, c'est cool. On va pouvoir éventuellement peut-être tenter le jeu du Père Noël ou un jeu payant, mise maxi. Et là, franchement, cette chasse au free spin avec les mises à 150... C'était plus que tendu, heureusement qu'il y a eu les massive wins, enfin les énormes wins, hein, heureusement, parce que là sinon, c'était plus que mal barré. Bon bah sur ce, très jolie partie, donc je vous quitte donc ici sur ce joli montant, 21694, éventuellement on testera ça un petit peu plus tard, voir s'il y a moyen de faire fructifier ça. Enfin on verra bien, ce sera comme d'hab, pile ou face au bonheur la chance, chance ou pas de chance, on verra bien. Allez, la bise à tous, bon après-midi.